européenne est aujourd'hui un carcan qui paralyse les nations qui la composent au moment où leur défense et donc leur capacité de mobilisation est plus nécessaire que jamais. Il n'y a pas, quoi qu'en pensent les fédéralistes, de nations européennes, ni de peuples européens. La révolution démographique qui a porté en 50 ans la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants, chiffre en croissance exponentielle, a déclenché un phénomène migratoire géant dont nous ne percevons que les prémices. Il menace de submerger le continent boréal dont fait partie l'Europe, qui est, elle, en déficit démographique. Face à ces perspectives angoissantes, l'Europe se révèle impuissante. Pire, elle paralyse les réactions nationales qui devraient mobiliser les peuples qui la constituent. Député qui est resté aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira.